Ce que je retiens de l'ETNA, c'est la débrouillardise, le fait de pouvoir se lancer sur n'importe quel langage, apprendre n'importe quel tuto. C'est vraiment des choses que j'ai appris ici, et c'est pas un truc qui se limite à l'informatique. Si je dois faire des travaux chez moi, bah, je vais me lancer, je vais lire dessus, voilà. J'ai appris à me débrouiller grâce à l'ETNA, ce que je faisais très peu avant, quoi. Bonjour, je m'appelle Virgile, je suis Engineering Manager chez Welcome to the Jungle. Welcome to Jungle, c'est une entreprise dans laquelle l'humain passe en premier. Donc, pour l'anglicisme, donc people first, c'est faire en sorte de penser au bien-être des employés et de penser à l'équilibre vie pro, vie perso. Donc, c'est réellement quelque chose qui est clé dans l'entreprise. Dans le rôle d'engineering manager, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait d'être un acteur qui peut prendre du recul, qui prend les feedbacks des différentes personnes autour, et on doit s'approprier ces problématiques qui sont pas du tout les nôtres. S'en nourrir, les comprendre, les réfuter si elles font pas sens, ou alors les défendre si effectivement elles résonnent pour moi ou pour l'entreprise. Et aujourd'hui, je suis hyper satisfait par ce poste-là parce que ça m'apporte une dimension que je soupçonnais pas du tout. Donc typiquement, s'il y a 2 ans, on m'avait dit, bah tu seras engineering manager, tu manageras des gens à 100% et tu feras pas une ligne de code, je me serais pas du tout vu dans cette position-là. Sauf que là, l'idée et toutes les frustrations que j'ai pu avoir dans mes anciens métiers ou à d'autres niveaux. En tant que développeur, je vais pouvoir les solutionner aujourd'hui, je sais pas, en créant de nouveaux rituels, en trouvant des nouvelles solutions, des nouveaux logiciels ou des nouvelles pratiques. Enfin, toutes les possibilités que j'ai, c'est de réellement d'aider des équipes à créer des projets qui m'intéressent fondamentalement. L'importance de l'ETNA dans ce que je fais aujourd'hui, dans ce que je suis aujourd'hui, c'est qu'elle m'a appris les bases d'énormément de choses. Ça m'a appris un peu à très clairement sortir de ma zone de confort. À apprendre des notions alors agiles comme les stand-up que je faisais avec les potes que j'avais ici sur nos différents projets, à côtoyer des gens qui avaient des projets donc pour leurs entreprises lors des codecamps, et du coup à être sensibilisé au monde professionnel et aux problématiques professionnelles avant même d'être alternant. Donc ça, c'était aussi super intéressant. Donc ça m'a voilà l'ETNA m'a réellement permis de mettre un pied dans la vie pro, la vraie vie pro. Et donc ça, c'était juste parfait, quoi.